EPS baccalauréat, des notes très variées. Les examinateurs des épreuves d'éducation physique et sportive du baccalauréat ont constaté des notes très variées des candidats. De bonnes notes pour les candidats d'école de conditions physiques favorables et ayant des professeurs de sport qualifiés, tandis que les notes ont été mauvaises pour les candidats libres et ceux qui ont des professeurs non qualifiés. Les notes sont variées, de la médiocrité à l'excellence durant la première semaine des épreuves. Force est de constater que les candidats d'école qui se sont beaucoup entraînés avec une assistance régulière d'un professeur d'EPS qualifié ont obtenu de bonnes notes, a souligné Angelo Razafiarvou, ancien examinateur à Saint-Michel. A noter que les épreuves d'éducation physique et sportive s'inscrivent dans le cadre de l'examen officiel baccalauréat 2019. Elles constituent une matière obligatoire pouvant mener à une élimination directe. Pour Tana, ces épreuves ont débuté lundi dernier et perdureront jusqu'à vendredi prochain. 8613 candidats sont inscrits au centre Faravouidj et passent les épreuves à Saint-Michel. Quant aux épreuves théoriques, elles sont prévues se dérouler ce 5 octobre.